Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur Nipum. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment retrouver l'extension de vos fichiers, que ce soit du Word, de Excel. Je vais vous montrer dans Windows 7, également dans Windows 10. La démarche est un tout petit peu différente, mais on va toujours au même endroit. Voilà, c'est parti. Donc, quand vous avez un explorateur ouvert comme celui-ci, il suffit d'aller dans Organiser. Donc, je rappelle, je suis dans Windows 7, Windows 7 pour certains. Donc, je pars dans Organiser. Ensuite, je vais dans Options des dossiers et de recherche. On va dans Afficher. Affichage, autant pour moi. Et là, on descend pour chercher la mention masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Là, la case est cochée. Ça veut dire qu'on masque l'extension. Et si on décoche, on fait appliquer. OK. Là, on voit qu'on a affiché l'extension. Si vous voulez masquer, c'est pareil. Vous allez dans affichage. Et il suffit juste de cocher la case, appliquer, OK. Et là, on masque à nouveau l'extension. Donc là, j'étais dans Windows 7. Maintenant, dans Windows 10, c'est un tout petit peu différent. Imaginez que vous êtes dans Accueil et que vous avez cette configuration d'explorateur. Vous allez donc dans Affichage. Et dans Affichage, vous allez cocher la case Extension de nom de fichier. Tâche. Et voilà. Donc, on en a du point .txt, on a du point .docx et du point .xls. Voilà, voilà. C'est ici donc que s'achève cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et que vous saurez maintenant afficher et masquer les extensions de vos fichiers, que ce soit dans Windows 7 ou bien dans Windows 10. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires et revenir pour plus d'autres vidéos et plus d'astuces. Ciao, ciao!